que je n'ai pas reçu de réquisition aux fins d'autopsie. J'ai beaucoup entendu parler, mais je n'en ai pas reçu. Mais, étant médecin légiste, je devrais quand même faire mon travail en dehors du simple fait, de simple consignation des corps. Il fallait examiner les corps, il fallait procéder à l'identification des corps, parce que le besoin était là, et aussi à déterminer les causes de décès. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, le 28 septembre, aux environs de 18 heures, j'ai reçu un appel. Un appel d'un médecin, un médecin militaire, en fonction au service de santé des armées. Il m'a dit ceci: docteur, la hiérarchie militaire me charge de vous dire de venir à la morgue de l'hôpital Ignastine, de recevoir les corps des personnes décédées ce matin au stade du 28 septembre et de les mettre dans la chambre froide. Dès que j'ai reçu cet appel, je me suis déplacé. J'habite la banlieue de Conakry. Pour arriver à Ignastine, j'ai fait à peu près 30 à 45 minutes. Je suis arrivé à Ignastine aux environs de 19 heures. C'était le crépuscule. Et il était l'heure de la prière. Je me suis acquitté de la prière. Et dans l'arrière-cour de la morgue, pour ceux qui connaissent l'hôpital Ignastine, qui fait face à la mer, j'ai trouvé des collègues médecins militaires. Ils étaient tous en tenue, ils étaient, comme je l'ai dit, en service, ils travaillaient au service de santé des armées. Ils m'ont dit: docteur, il y a eu des morts d'hommes ce matin. Donc c'est pour cette raison que vous êtes là, vous allez vous occuper de la réception de ces corps. Quelque temps après, pendant que nous étions arrêtés dans l'arrière-cour de la morgue, nous avons reçu le premier camion, un camion militaire, qui est arrivé. À son bord, il y avait 21 corps. Ce camion militaire, au bord duquel il y avait 21 corps, était accompagné par des hommes en tenue. Ils ont commencé à descendre les corps. Et entre-temps, j'ai demandé aussi aux préposés de la morgue, aux étudiants en médecine qui étaient en stage et à tout le personnel de mettre un dispositif en chaîne pour pouvoir recevoir les corps et les envoyer dans la chambre froide. Après avoir reçu ces 21 corps, je rappelle que la morgue de l'hôpital Ignastine a une capacité de 10 corps. Et c'est une morgue qui reçoit les décès hospitaliers et extra-hospitaliers. Donc, au moment où ces corps sont arrivés, il y avait naturellement d'autres corps qui étaient déjà dans la chambre froide. Le problème, il fallait faire un réaménagement pour pouvoir loger ces corps qui venaient d'arriver. Quelques minutes après, il y a eu un deuxième camion. Ce deuxième camion avait à son bord 7 corps. Et tout de suite, je me suis dit, et j'ai informé les collègues médecins militaires pour leur dire que j'aurais un problème de place pour une capacité de 10 corps. J'ai déjà 21 plus 7, ça fait 28, plus les corps qui étaient là, ça me pose un problème. J'ai essayé, avec les préposés de la morgue, de faire des aménagements pour quand même encore recevoir les corps. Pendant que je faisais cet aménagement pour recevoir les corps, il y a eu un troisième camion qui a déposé 15 corps.
ce qui fait un total de 43 corps. 43 corps dans un espace de 10 places, c'était très difficile, pour ne pas dire impossible. J'ai aussitôt réquisitionné la morgue de Donka pour leur dire d'envoyer quelques corps à la morgue de l'hôpital Donka. Et nous avons retourné quelques corps à la morgue de l'hôpital Donka. Et avec les décès qui ont suivi, parce qu'il y a eu d'autres personnes hospitalisées dans les services de l'hôpital Donka, qui sont décédées les jours suivants, on a eu un total de 34 corps logés à la morgue de Donka et 24 corps à l'hôpital Ignace-Dine. Alors, 43 corps déposés par les militaires, on a eu 6 corps décédés au service des urgences médico-chirurgicales à Donka, un qui est décédé en chirurgie générale, un autre malade décédé en chirurgie thoracique et un corps déposé par les sapeurs-pompiers. Ça, c'était à J2, donc le lendemain des événements du 28 septembre. À J3, nous avons eu deux corps déposés par le CICR, deux corps déposés par le service de neurochirurgie. Donc, on a eu à J2 56 corps. À J3, un corps a été déposé par le service de neurochirurgie, donc on a eu 57 corps. Et à J5, un autre décès au service de chirurgie, de neurochirurgie, 58 corps. Ce sont les 58 corps qui ont été reçus et gérés dans les deux morgues de l'hôpital Ignace-Dine et Donka. Après avoir reçu ces 58 corps, naturellement, le premier problème, c'est comment loger 58 corps avec une capacité de 10 à Donka et 10 à Ignace-Dine et plus ou moins 14 à Donka. On avait une chambre froide de 10 plus une petite chambre de 4. Alors à Ignace-Dine et à Donka, c'est le service de médecine légale qui a géré les corps. C'est une équipe. Nous avons mis en place un protocole. Et nous avons essayé dans un premier temps de mettre les corps 2 à 2, ce qui fut fait à Ignace-Dine. En fonction de la corpulence des corps, on s'arrangeait à les mettre 2 à 2. Et c'était la même chose à Donka. On a libéré le plus vite les décès hospitaliers. Il fallait informer les familles qui avaient des parents décédés au décours d'une maladie hospitalisée, les inviter à venir récupérer les corps pour qu'on libère de l'espace. Et à Donka, nous en avons fait la même chose pour mettre les corps 2 à 2 après avoir effectué une toilette funèbre, mise en linceul et puis mettre les corps dans les chambres froides. Malgré cette disposition, naturellement, il restait des corps qui n'ont pas de place. Il fallait les mettre alors sous les paillasses. Pour ceux qui connaissent les morgues, il y a des salles où il n'y a pas de chambre froide, ce sont des paillasses, c'est là où on fait les toilettes funèbres. Alors, les corps qui ont été déposés sur les paillassons ont été préparés, ont été embaumés avec du formol pour naturellement retarder la putréfaction. Après avoir logé les corps dans les différentes chambres, on devrait être confronté à l'identification des corps. Je rappelle, Monsieur le Président, que je n'ai pas reçu de réquisition aux fins d'autopsie. J'ai beaucoup entendu parler, mais je n'en ai pas reçu. Mais, étant médecin légiste, je devrais quand même faire mon travail en dehors du simple fait, de simple consignation des corps. Il fallait examiner les corps. Il fallait procéder à l'identification des corps, parce que le besoin était là, et aussi à déterminer les causes de décès. Concernant l'identification des corps, nous avons procédé dans un premier temps au déshabillage des corps. Nous avons essayé de collecter
les éléments antémortem, les habits, les objets, les pièces d'identité qu'on pouvait retrouver, les montres, toute information antémortem pouvant être utile à l'identification des corps. Nous avons essayé de les mettre dans des sachets avec des numéros. Au niveau des chambres froides, c'est 10 places, donc chaque chambre a un numéro. Par exemple, la chambre 1, on les appelle C1, C2, C3, C4, C5, jusqu'à C10. Alors, pour les corps, s'il y a deux corps dans la première chambre, on a des objets correspondants qui sont mis sous scellé dans des plastiques, on affecte un numéro correspondant. Un exemple, C1, c'est la première chambre froide, le premier corps c'est C11, le deuxième corps c'est C12. Donc l'objet correspondant est mis sur place. Donc C11 correspond au premier corps de la chambre 1, C112 correspond au deuxième corps de la chambre 1. C'est valable pour les autres chambres, la chambre 3 jusqu'au niveau de la chambre 10. Ces éléments antémortem étant bien recueillis, nous avons procédé à l'examen des corps. L'examen des corps pour voir s'il y a d'autres marques, des tatouages ou d'autres signes particuliers pouvant nous aider à l'identification des corps. Je me rappelle bien, j'ai suivi un des procès ici, un jeune qui a dit que quand il a perdu son frère, il se demandait où est-ce qu'il est mort ou pas. Il a demandé, regardez sa poche, retrouvez une clé et renvoyez-moi la clé, je vais voir si c'est la clé de sa chambre. On a amené la clé, il a ouvert la chambre et il savait très bien que la personne qui portait ce pantalon dans lequel il y avait la clé était bel et bien son frère. Voilà à peu près ce qu'on a fait pour les éléments antémortem. Nous avons essayé de collecter ces éléments. Nous avons examiné les corps pour voir des signes particuliers qui existent chez certains corps. Et enfin, nous avons procédé à l'identification visuelle.